Ah, ce rayon, il est fou. Salut. Et bienvenue pour un nouveau vlog. Je crois qu'on vous a rarement retrouvé aussi tard dans la journée pour commencer un vlog. On vous dira pas quelle heure il est, mais il est tard. Il est tard. Vraiment. Mais en fait, on n'a pas arrêté depuis ce matin. Ouais. Alors d'abord, ce matin, on avait le rendez-vous mensuel avec l'expert comptable. C'est ça. Qui a duré un petit moment, comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Et voilà, ouais. C'est le truc à faire. Hein. C'est comme la paperasse. Oui. C'est obligatoire. Bon, ça va, il est hyper cool, notre expert comptable. On a plaisir à le voir, mais on préférait le voir pour d'autres choses que pour la compta, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, il fallait qu'on passe chercher le drive. Oui. Ensuite, il fallait qu'on rentre à la maison faire à manger parce que c'était l'heure. C'est ça. Cet après-midi, j'avais pas mal de choses à faire. J'avais pas mal de création de contenu aussi. Du coup, j'ai même installé des choses pour filmer peu ordinaire. Voilà, voilà. Mais une fois que j'ai terminé de faire ça, je me suis dit, ah mince, pour l'autre truc, il faudrait que j'ai et ça. Donc, ouais, il y avait des choses à acheter. Il a fallu aller, oui, mais du coup, faire quelques courses. Bah, on est allé chercher des bricoles chez Audio et puis à d'autres endroits. Oui. Parce qu'on avait besoin de choses un peu plus spécialisées. Et du coup, ben, Audio, c'est un petit peu comme Ikea, comme tous les magasins de déco. C'est un piège. Ouais, c'est un piège. Vous rentrez pour un truc. Avec un peu de chance, vous ressortez avec le truc. Mais en général, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Ça peut. Donc, tu peux déjà montrer le gros truc. Parce que ça, en fait, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Oui. Mais on pensait au simple. Hein, et en fait, on est tombé sur le double. Voilà. Donc, on s'est dit, hey, c'est trop cool. Parce trop bien. Que... Du coup, pour recevoir, on va pouvoir faire un sans alcool et un avec alcool. Oui. Il y en aura pour tout le monde. Et ça, oui, c'est génial. Oui. Un pour les parents et un pour les enfants. Vous avez compris? Ok. Oui, oui. Ensuite, j'avais besoin de sucre glace. Donc, j'ai repris un gros paquet comme ça. On a là le stock. Ça, c'est bon. Ça. Poche à douille. On va faire un petit peu de pâtisserie. Alors ça, c'est Sam qui l'a pris. Oui. Moi, je savais même pas à quoi ça servait, mais c'est un doseur pour faire les cocktails. C'est ça. Voilà, voilà. Tiens, je te passe. Ouais, du coup, j'ai aussi pris ça pour ce que j'ai besoin de faire. Ça va nous servir. Et moi, j'ai pris ça. Ouais, alors on a des pailles en silicone. On en a en métal. Elles sont fun, hein. C'est multicolore. Multicolore, c'est bien ça pour faire la fête. Ouais, c'est vrai que c'est fun, du coup. C'est chouette. Les couleurs et ben tout. Ouais. Et c'est bon, c'est tout ce qu'on a ramené. On a fini là. Bon, c'était pas non plus. Allô. Non, il y a encore autre chose. Ah, c'est bon, c'est mon téléphone. C'est bien même plus de ce qu'on a pris en fait. Voilà pour notre journée. En fait, ça paraît pas hein, ce que je vous ai dit, ça fait peut-être pas énorme, mais le temps de tout faire fait que bah, c'est bientôt l'heure de manger. C'est bien entamé. Oui. Le soir quoi. C'est voilà. Ça. Donc, on continue. On va ranger tout ça et je pense qu'on va finir dans la piscine parce qu'avec une journée pareille, on a eu chaud, on n'en a pas assez profité là, donc on va aller se rafraîchir. Voilà, c'est installé, il n'y a plus qu'à... Tu aides maman à plier les serviettes, chérie? Oui. Oui. Elle m'a vu plier d'autres serviettes, du coup elle m'a dit, attends, je vais faire aussi. Bon, c'est pas la même technique que maman, mais ça a l'air de marcher pas mal, hein. Ok. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un côté, l'autre côté? Bravo chérie. Encore? Tout petit comme maman? Parce que moi je suis vraiment des... Avec ces serviettes là je suis vraiment un tout petit. Oh waouh. Tu vas la mettre sur le tas? Voilà, comme ça quand on sortira, les serviettes seront prêtes. Bravo chérie, je suis fière de toi. C'est super bien ce que tu as fait. Par contre, juste un petit détail. Est-ce que tu penses que tu as assez de bracelets là? Oui. Oui? T'en as fait beaucoup avec Jenna. Oh là là, ils sont beaux. Oui, amis, pour aller se balader. Oh, t'es trop chou. Bon, vu l'heure qu'il était, j'ai demandé à Sam s'il voulait qu'avec Jen, on prépare un petit plateau apéro. Oui.
Je suis valide. Donc il a dit ok, super idée. Donc c'est parti, on va prendre ce qu'on veut. On va chercher pain, chips, chips au fromage. Ah, elles sont super bonnes celles-là. Saveur et mental. Eh, on mange pas avant. Bah si. Bah non, on prépare d'abord. Oh, t'as vu? Elle a voulu goûter, elle a pris avant. Ça se fait pas. Tu as goûté? Ouais. Voilà. Non, faut pas goûter avant. Tiens, chérie. Personne ne dit non en fait. C'est bon vraiment? C'est vraiment bon. Sympa. Oh, je prendrai d'autres goûts pardon, la prochaine fois. Ouais. Mm-hmm. Il y en avait d'autres? Ouais. Attends, par contre, on va peut-être prendre des choses plus petites, les gros plutôt pour les chips. Ouais, et ouais. Je vais sortir d'autres plats. Pour Sam, très important. Les pistaches. Il adore ça. Oui, oui. On lui mange tous ces pistaches. C'est super bon ce que j'ai dit. C'est au fromage. Ouais, donc en fait, on goûte tout avant, quoi. Bah oui, faut tout goûter. Imagine, c'est pas bon. La vanille, c'est trop bon. Non, mais nous, on les aime tous à chaque fois. Oui, mais on sait jamais. Donc là, pas mal. Bah, ceux-là, on va les mettre dans un petit. Et ma passion. Attends, tout est tombé. Houston, à l'aide. Ma passion, les noix de cajou. Ah, c'est trop bon. Dans le gros là, t'as mis les noix de cajou. Bah ouais. Mais moi, comment je vais faire pour trouver d'autres récipients maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Namour? Le grand bol pour mettre des tomates. Oh là là, comme une grande. Elle est vraiment hyper autonome par rapport à tout ça. Mmh. Elle sait servir, elle sait aller chercher ce dont elle a besoin. C'est trop chaud. C'est bon, t'as mis tes tomates. Qui va goûter une? Trop mignon. Merci madame, je prends celle-ci. Je me suis dit que ce serait cool aussi d'avoir des petits toasts avec du guacamole parce qu'on l'avait trouvé super bon la dernière fois. Du coup, voilà, j'ai fait des petites rondelles de pain complet. C'est prêt! Donc on a les petits toasts de guacamole, on a de la mozza avec des petites tomates, du melon, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, petit apéritif plus classique. Et Sam nous a fait des petites boissons super sympas. Ça va être trop cool! Une paille! Toi t'as une paille, on va manger dehors? Oui! Régalez-vous! Merci! J'arrive, je vais vous aider. T'as enlevé tout seul la robe? Trop bien. Sam, du coup, nous a allumé les grandes guinguettes ici, les blanches. Mais également celle devant le studio. Comme ça, quand la nuit va tomber, ça va être elle est bonne. Trop elle est cool. Quasiment à 30. Bah, dis ça parce qu'il fait encore hyper chaud à l'extérieur. Oui, il fait chaud. Là. Puis on vient de manger, ça donne chaud. Il y a une du petit coyote et une lumière multicolore. Oui, elles sont multicolores ici et elles sont blanches ici. L'eau, elle est fraîche. 30. C'est parce qu'on a eu chaud toute la journée. Il y a une préparation mentale. C'est bon, elle est mouillée. C'est bon, ça va. Bon, une fois que t'es dedans, elle est bonne? Oui, elle est super bonne. Ouais, voilà. On a des mois. On n'a pas eu nos desserts. C'est vrai? Bah oui. Les desserts. Les desserts. Les desserts. Les desserts. Et vous voulez quoi comme dessert? Une glace. Une glace. Ok, bon, je suis pas encore mouillée, alors profitez-en. Ouais. Ok, Jenna? Un petit cornet. Ok, Sam? Bâton. Ok. Tu peux développer parce que j'ai dit oui, mais. Côte d'or. Ah, ok. Merci. Toi, tu veux à quoi? Parce qu'il y a vanille et chocolat. La vanille, s'il te plaît. Ok, j'y vais, je reviens. Bon, ne jugez pas le congélateur, il y en a un petit peu partout. Là, ce sont des sundae vanille, sauce au chocolat, qu'on a trouvé chez Intermarché. Franchement, ils sont délicieux. Là, Sam et Jessie, du coup, m'ont demandé les glaces bâton, sont les côtes d'or. Et Jen voulait un mini cornet à la vanille, donc voilà, tout est là. En fait, on a aussi les sneakers et les Mars glacés par ici. Enfin, il y en a un petit peu partout, quoi. J'ai les glaces. Oui. Allez. Tiens, chérie, je te mets. Attends, je vais échapper le petit cône. Hop là. Une autre, du coup. Bon, je te la mets là. Il y en a une pour maman. Tiens, Jessie. Et une pour Jen. Tu m'avais bien dit vanille. Hein. Oui. C'est... J'ai eu un doute. Tiens, chouchou. Mais toi, tu manges une glace de grand? C'est une glace à papa et maman, ça. Mais dis donc. Allez. T'es vraiment une crapule. Chine de glace, ouais. Ah.
T'as mis la lumière dans la piscine? On voit pas encore. Enfin, nous, on le voit, mais à travers, ouais, à travers la caméra, non? Non, faut attendre que ça sorte. Ça va pas tarder. Ouh, mais tu as plein de choses dans les bras? Il y a des choses intéressantes. Ouh. Ah. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? Elle est trop drôle. C'est beau la piscine quand elle est éclairée. Hein? Oui, il y a une même. Là, on commence à le voir. C'est trop chouette. On a commencé à voir la lumière. Oui, chérie. Bleu. Elle est la là, de ce côté-là. De est... La couleur de l'eau, elle est bleue, verte, lagon, quoi. Le soleil de la piscine. Oh. Ah, quand elle est contente, Jessie, elle m'arrose. Bon, et sinon, trop triste. À la base, ce matelas était censé s'allumer. Mais là, je viens de mettre des piles neuves et ça donne pas du tout ce qu'il y a sur la photo. Hein. Ouais, je crois qu'il marche pas. C'est parti pour le test de quelque chose qu'on a depuis un petit moment, mais qu'on n'avait pas encore mis dans la piscine. J'espère qu'il fonctionne, celui-ci. T'as testé? Ça a l'air. Est-ce qu'il est assez chargé? Est-ce qu'il fait assez nuit? Non! Faut le mettre dans l'autre sens! Ah non, Manon! Non, mais je crois qu'il faut vraiment qu'il fasse hyper nuit pour qu'on voit. Yes, là où c'est moins profond, on commence à le voir. Oui. Ah, c'est trop beau, on voit qu'il y a des palmiers! Ouais. Et des feuilles de palme! Et des flamants! Et en pleine nuit, ça doit être juste trop canon. Carrément. Et puis, tu peux, si tu le souhaites, changer de couleur? Oui, regarde. Oh, génial. Oh là, on les voit trop bien. Il y a plusieurs disques, hein, on peut oui, choisir. Ouais. Jaune. Ah, c'est méga chouette. Trop hâte de voir quand il fera vraiment minuit. Oh, waouh, jaune, trop canon, vraiment. Bon, je me suis dit, si on éteint la lumière de la piscine, forcément, on verra mieux. Hein. Et voilà. C'est trop canon. Ça fait vraiment de l'ambiance dans la piscine, c'est trop chouette. Ça marche bien pour le coup. Hein. Ouais. Là, avec la profondeur, c'est vraiment étalé et tout. Trop cool. Bon, ben du coup, il commence quand même à être un petit peu tard. Donc, ah bon, c'est les vacances. Ah mais en fait on se rend pas trop compte à travers l'appareil, hein. Il y a une belle lumière. On va arrêter le petit vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous aviez déjà testé des lumières comme ça ou si vous aviez déjà vu des lumières pour éclairer les fonds des piscines. Je trouve ça vraiment trop trop cool. Et sur ce, on vous laisse. On vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Salut. Ah, coquinette. Allez, on sort de la piscine maintenant. C'est l'heure.